Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est encore pour moi un grand privilège d'être avec vous afin de continuer à déboucher et à savourer le pain de la parole. Parce que le chrétien vit de la parole de Dieu. C'est vrai, les autres choses du monde sont bonnes, elles sont pour la plupart intéressantes. Mais le chrétien vit de la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu nous ne pouvons pas vivre. C'est la mort. Amen. C'est la mort. Il faut dire qu'à chaque fois que vous chantez ce chant, délivré, délivré, c'est le feu, mes chers amis. Les paroles sont très fortes. Alléluia, m'a chanté. Tu comprends? Alléluia, délivré pour toujours. Oh, l'ennemi ne veut pas entendre ça. Oh, non, 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 non. C'est comme si ce sont comme deux paroles dit dans Aurélie. Vous dites Alléluia, on délivré, m'a chanté, moi, je vais mourir, m'a chanté. Alléluia, délivré pour toujours. Oh! Il n'y a pas ton bagage. Il n'y a pas l'offre, il dit. Ce n'est pas mon Dieu seulement qui écrit. Nous devons être élèves, prendre notre tour. Nous déranger la parole. Amen. Il ne faut pas prier avec ça. Amen. Encore une fois, je suis content, heureux. Et il y a une fois, je parlais à une amie, je lui dis, mon cher, ma vie, tu as fait bien longtemps à prêcher la parole. Mais à chaque fois, mes privilèges, ça. C'est comme si c'est la première fois. Pourquoi, pasteur? C'est parce que chaque fois que tu as l'avantage, le privilège de prêcher le peuple de Dieu, de prêcher, de parler au nom de Dieu, son gros coquin chèque. Amen. Ou pas le prince à la légère. Ou pas le naïf avec ça. Amen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je parlais à un ami prédicateur lorsque j'étais en Haïti. Je lui disais, mon cher, ma petite mère, depuis le moment où je devrais aller par la prédication de la parole, beaucoup de changements d'invitation. Et je vais côté pour mes invitations. Nous arrivons là tellement sollicité. Je suis allé auprès de Dieu. Dis Seigneur, écoute, toute la gloire est à toi. C'est toi qui as fait choix de moi. Merci. Mais est-ce qu'on va trouver possible d'aller moi de m'appeler, m'a formé parce que toute invitation ça, pas qu'à répondre avec. Or, pas une distance. Est-ce qu'on va dire notre serviteur que nous avons aidé dans ça pour partager avec moi, pour partager avec nous, toujours pour la gloire de ton nom. Parce que chaque fois que tu as l'intérêt, le privilège de prêcher la parole, toujours mettre notre tête, nous calmer deux fois. Amen. 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 Et faites attention pour ne pas tirer gloire au but. Amen. Parce que tu parles pour Dieu. Amen. Tu parles à zéro, faites attention. Amen. 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 Et si le Seigneur t'utilise, c'est pour la gloire de son nom. Et également, le grâce du feu. Le grâce du feu. Ben, on nécessite ça. Tu vois? Et devant l'homme du Seigneur, difficile de dire non, l'homme veut nous inviter à son mal péché là-bas. Ma petit témoignage que petit, et peut-être pour Dieu, pour votre raison, c'est pas chiant de me témoigner ça. Le bois d'entrée de la prédication de la parole, j'étais accordéoniste de maestro, un groupe, un choral. Et puis, on a joué. Le groupe, pour te prier l'église là, je dois vous dire sincèrement, mes chers amis, le Seigneur fait grâce à vous. Grâce en pile, le groupe l'a chanté. Et puis, le Seigneur m'a dit que, bonjour, hein, je suis chez moi, j'étais seul dans ma chambre vers 10h du matin. J'ai entendu une voix qui me dit, Joël, levez-vous, préparez le message. Oh, je n'étais pas prédicateur. Oh, voici mon coach, levez-vous, préparez le message. Et
Je dis, prends la Bible, dans Psaume 25, verset 4, qui dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le et son alliance leur donne l'instruction. La voix m'a parlé pendant plus de 30 minutes. Finalement, je me répétais après. Je me souviens, j'étais tellement seul, et puis j'ai une cousine à moi qui n'était pas là. Lorsque il y aurait d'eau, je me dis, mais à part c'est vrai, là, on nous dit, bon, Dieu a parlé avec le roi. Mais ça que ce trivé là. Et puis c'était un commencement. Demain, si Dieu veut, voir tellement pourquoi pas encore les venir. Et bon, de voir. Il dit, mais ça me l'a dit, il fait un répétition de bouche. Et puis, j'étais à l'église, mais j'étais très jeune. Hein? Puis, un dimanche soir, le prédicateur qui devait assurer la prédication n'est pas venu. Je suis arrivé, oh, bon, c'est là, c'est mesdames, messieurs qui jump, c'est pour ça. J'ai dit ça, c'est mesdames qui jump. Hein? Et puis, le prédicateur n'est pas venu, et puis, il y a une dame qui m'a parlé, qui a commencé à être comme ça. Je dis, oh, mes frères Joël, bonjour, c'est vous qui avez prêché pour nous à ce soir. On sautait, on songeait, puis ça se passait pendant cette semaine-là. Je me fais prêter mon livre après ma Bible. Pour démontrer aux gens des jeunes, tu vois. Après ma Bible, des jeunes gens, tu vois. Et faire prêter mon Bible, et mon vrai Bible-là. Priez mon Dieu. Mais avant que vous passez, c'est après seul pour parler à l'église là. Une façon pour expliquer l'église là. Parce que le prédicateur n'est pas venu. Il n'y a pas de vrai prédicateur. Écoutez-moi pour te prêcher. Oh, ça a continué. Tu vois? Son façon que j'en parle à la bâtisse. C'est pas du mal, oui. Oh, ouais, ouais. Et puis j'ai prêché là où le Seigneur m'avait indiqué. Après ça, mesdames, elle vous pasteur. Elle vous dit pasteur. Ah, elle te prend prêcher l'église. Hein? Nous pas jamais été sous programme. Vous entendez ça? C'est après, on a dit, mais vous êtes édifié. Oh, mon frère, je vois. Oh, vous êtes édifié. Oh, c'est vrai. Vous avez dit, Paul, mon édifié là. Vous êtes capable de dire ça. Tu vois? Donc, mes chers amis, nous avons prêché la parole. Et depuis lors, lorsque le Seigneur brûle notre travail, tu comprends? Toujours crainte ça. Nous avons fait prêcher la parole, mon appétifié. L'Esprit de Dieu a dit ma prêche. C'est 15% des messages là que tu es prêché. Alors que mon appétifié, tu comprends ça? Songez mal prêché dans croisade. Et une fois, on y a ici avec moi de ça, c'est en Haïti, dans le moment. Elle vient prêcher dans croisade là. Moun vin konverti, moi-même pourquoi je prie à 12 moun, moi-même pourquoi. Et moun a monté toujours, m'a descendu de mener de la gare. Et le Seigneur va dire encore, mon chien, ça là, vous pouvez prêcher votre action. Tu comprends ça? Donc qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Et mon frère, les vrais serviteurs de Dieu, vous connaissez ça. Ou alors, gagnez grâce à ça. Vous avez dit, on va faire pour l'acheter. Et ma bouillon bagaille, vous allez prêcher la parole tout de suite.